Gay Fraternité. Putain, j'ai une petite vidéo d'un arrivée à Bordeaux. Et aujourd'hui, je suis parti de Saint-Nazaire avec le même sentiment que j'ai quand je pars de La Réunion. Une boule au ventre et une envie de pas partir. Et en partant, en laissant Opie et Terrevo et tous les autres de Saint-Nazaire, en passant à Nantes, en laissant Yas, Yoda, Thomas et les autres. C'est vrai qu'à Nantes, là, en faisant ma séparation avec Feta qui part voir ses filles en Espagne, avec Solène aussi. Ça me fait rendre compte encore plus ce qui est important dans la vie. Cultiver, se battre pour cultiver les liens qu'on a créés, la fraternité. Et je fais juste cette vidéo là parce que j'avais envie de partager cet état d'esprit dans lequel je suis. Je pensais pas que ça arriverait aussi rapidement et j'espère que ça va durer. J'ai des idées claires. Là, l'heure précise, maintenant, là, j'ai des idées claires. Très claires sur là où je vais diriger mon bateau. J'en reparlerai sur une vidéo là-dessus. Et aussi, j'ai le cœur rempli d'amour. Tous les gens que j'ai quittés là me manquent. Mais je suis content de les aimer. Ça c'est cool. Et je te dis, je pensais pas avoir les idées claires sur la lutte. Je n'ai jamais eu autant aussi clair avec un plan précis depuis longtemps. Je sais exactement ce que je vais faire, la manière dont je vais le faire pour les prochains mois. J'ai pas tous les détails. Mais si on veut éviter une guerre civile, je n'arriverai pas à l'éviter tout seul. Il faut enlever dans la tête des gens cette haine et répandre de la fraternité un peu plus et de l'amour. Ouais. Je pense que c'est la seule solution, sinon on va finir par s'entretuer. Et je vais arrêter de vouloir me disperser et de tout faire. Je vais faire ce que je peux. Je vais me concentrer sur la maison du peuple de Nantes, de Saint-Nazaire, de Bordeaux et de Toulouse. Chacun a son utilité.